Alors bonjour à tous, bienvenue sur Mécanique Sportive. Aujourd'hui je vais vous faire une vidéo spécialement dédiée à toute l'instrumentation de bord de cette Mercedes GLA qui reprendra aussi ce qu'il y a dans les nouvelles Mercedes. Donc je vais vous montrer comment on se sert de toutes les fonctions, des différents tableaux de bord qu'on peut avoir, les thèmes, les ambiances, etc. C'est parti. Nous avons donc ici le volant sur lequel on peut interagir avec ces deux carrés donc, qui ont pour accès donc, cet écran de ce côté et celui-ci qui jouera pour l'écran de l'autre côté. Donc on voit les fonctions qui changent. Donc si j'appuie retour ici, ça me donne ça. Et si j'appuie retour ici, ça me donne accès à d'autres menus ici. Donc je vais vous expliquer tout ce qu'on peut faire avec ça, tout ce qu'on peut afficher ici, tout ce qu'on peut afficher ici, celui-ci tactile également. Et on peut aussi l'utiliser via le pad qu'on a juste ici, sur lequel on a un retour sensoriel également. Donc pour ce qui est de cet écran ici à gauche, donc on va commencer par les compteurs qu'on a de disponibles ici. Donc on va commencer par le premier, donc celui-ci. Donc c'est la vitesse en kilomètre heure. On a l'horloge. Ça c'est vos infos de conduite. Donc cette zone ici indiquera les kilomètres que vous avez fait en électrique ou sans consommer. Et ensuite donc là vous aurez le kilométrage total depuis le temps que vous avez parcouru, la consommation moyenne et la vitesse moyenne avec pareil donc la moyenne aux 100 km en puissance électrique. Ensuite, alors hop, ça remet en milieu si on n'y touche pas pendant longtemps. Ça c'est pareil, donc c'est sur le total depuis la remise à zéro. Ça c'est l'itinéraire pareil que vous avez fait aujourd'hui. Et ensuite vous avez la radio. L'écran central. Alors, vous avez le choix, donc là le véhicule n'est pas démarré, avec ce menu ici qui va vous faire par exemple le GPS lorsque vous êtes en mode navigation. Alors c'est très sympa, on a la vitesse qui s'affiche ici. Hop, donc je peux requitter et retourner à ces écrans. Et ensuite j'ai le choix avec la navigation de cette façon ou de cette façon, donc qui m'indiquera avec des flèches. Le compteur de droite, donc le contour avec cette zone ici qui indiquera quand le moteur électrique donnera de la puissance, l'indice charge à droite et en dessous le compteur de kilomètres restants en électrique. Ensuite, on a le contour avec pareil des informations sur l'électrique. On a les consommations instantanées avec les moyennes en blanche. L'indicateur éco, alors ça c'est votre façon de conduire qui va vous dire si vous décélérez bien, si vous accélérez pas trop fort, etc. Et ça vous donnera des bonus si vous êtes vraiment bon. Le GPS qui est possible de ce côté-là aussi. Ça c'est l'info de G, donc selon quand vous tournez. Et ça c'est une information, donc quand on a un régulateur, ici vous aurez affiché des distances par rapport au véhicule qui vous précède. Alors le thème par exemple, expérience. Qu'est-ce que ça va nous amener ? Ça nous a changé donc cet écran à gauche et bien sûr une fois qu'on est dedans on peut encore bien évidemment changer. Donc expérience, là on a des consommations, l'autonomie, des bonus, etc. Donc on peut changer toujours dans tous les thèmes ce que vous souhaitez et vous pourrez remettre ce que vous voulez. Donc ce thème expérience donne un côté un peu plus sportif avec ces liserés jaunes et ces tons un peu plus foncés. Et en plus, on peut toujours retourner donc ici et choisir d'autres thèmes. Par exemple, alors ce qui joue aussi, là on voit donc avec le thème expérience, donc on a du jaune sur les liserés un peu partout, ainsi que sur les pédales. Et ici, là je vais passer sur le thème électrique. Donc vous allez voir, le thème électrique, on a plein de changements qui ont opéré, donc le compteur qui a changé, ça aussi, et là c'est passé en bleu, ainsi que les aérateurs qui sont dorénavant éclairés en bleu, et pareil pour les contre-portes, et au niveau des pédales, donc vraiment chaque thème est personnalisable aussi, et vous pourrez créer votre propre thème. On en a un autre, donc je vous remontre un dernier, le thème Lounge, que j'adore, donc le thème Lounge qui vous met un peu le moon. Donc on a du bleu ici, du fuchsia, et ça change les couleurs ici exactement. Et là pareil, donc on a le compteur qui a changé encore une fois. Et ça c'est vraiment ce que vous pourrez personnaliser, donc en retournant sur la page d'accueil, en zoomant vers le haut, enfin en glissant, et ensuite vous aurez accès à tout ça et vous pourrez créer le vôtre.
Le favori, vous pouvez ajouter votre domicile, etc. pour rentrer directement. Ou sinon, vous pouvez dire par exemple « Hey Mercedes !» « Je vous écoute. » « Allez au 1 rue du Général de Gaulle à Draveil. » « J'ai trouvé ces résultats-là. Où souhaitez-vous aller ?» Et donc là, vous n'avez plus qu'à sélectionner. Donc là, il vous propose plusieurs résultats, mais sinon, il y va tout seul. Et je vous ferai une petite démo du GPS qui est vraiment exceptionnel. On a un GPS avec un guidage donc, qu'on peut avoir ici en carte pleine et un guidage intuitif, puisque là, on a des caméras qui sont situées derrière ici et qui vous donneront la visibilité en 3D avec l'affichage de réalité augmentée. Donc, vous avez par exemple là juste ici, donc on peut le voir. Donc là, je suis en train de charger la voiture. Possibilité de tourner à gauche et ça vous l'affiche ici. Donc au bout, ici, il faudra tourner à gauche et ça vous donne vraiment tout ça. C'est super cool. Caméra ici. Et alors, je ne sais pas si vous voyez, mais petit à petit, on a l'indication avec la rue et les flèches qui nous indiquent qu'il faut tourner ici en réalité augmentée. Et c'est quand même vraiment très sympa puisque là, vous ne pouvez pas vous tromper. Hop, je mets mon clignotant et je tourne dans la rue. Et cette fois-ci, c'est indiqué et hop, ça repasse sur la carte pour vous faire une bonne idée de où vous vous situez dans la ville. Donc cet écran-ci, donc on a plusieurs possibilités. Comme vous avez vu, on peut soit y toucher comme ça, soit y avoir accès avec cette petite touche sensitive aussi. Donc on a plusieurs options, on peut monter, descendre et par exemple donc les médias, la radio, la navigation, etc. Donc on peut avoir accès à tout de cette façon. Première façon, deuxième façon, en tactile. Troisième façon, grâce à ce pad, donc hop, on peut tout faire défiler. Ce pad ici, donc on a concrètement ce qu'on a là-haut. Donc on peut changer de musique en glissant comme ça ici, à gauche ou à droite. Ça c'est pour retourner home, donc ici, ou là si vous rentrez quelque part. Donc par exemple là je vais rentrer dans la radio. Et je veux retourner, donc hop, cette touche me fera le retour ici aussi ou sur l'écran précédent. On peut aussi avoir la radio ou les accès rapides, donc avec nav et radio ici ou téléphone. Et là, vous pourrez enregistrer un favori. Ça, c'est pour les caméras 360. Donc, hop. Donc ensuite, comme vous l'aurez compris, cette voiture est ultra personnalisable. Donc on peut avoir dans le confort ici. Alors ça, lorsque je l'active, ça va bouger le siège toutes les 30 secondes. Pour ne pas faire en sorte que vous restiez statique pendant un long voyage. Et ensuite donc l'éclairage d'ambiance qui va vous donner toutes les couleurs que vous pouvez faire. Donc on peut choisir déjà commencer par les couleurs. Donc vous avez le choix soit des animations multicolores, soit que ça reste statique, soit que ça reste statique. Alors l'animation multicolore, moi j'adore puisque ça fait en sorte que donc toutes les lignes ici, ça, donc ça va changer de couleur aléatoirement pour passer par exemple donc ici de ces couleurs-là à celle-ci. Donc là, comme on le voit, ça a changé, ça s'est interverti ici. Et ensuite, donc là, vous avez vraiment plein d'options sur des couleurs. Donc ça peut aller du bleu à l'orange, au vert, aux couleurs flash, aux couleurs mix. Donc il y a vraiment de toutes les couleurs. Et comme je disais, moi, mon préféré reste vraiment celui-ci. Ou sinon, vous pouvez donc ne pas choisir le multicolore et choisir ici, donc directement, comme vous pouvez le voir, changer la couleur que vous souhaitez. Donc, et là, ce sera partout la même. Par exemple, du orange, hop, ça passe en orange partout ou en bleu. Et voilà. Donc moi, je préfère le multicolore avec ça. Bien sûr, chacun est libre de choisir ensuite. Donc on peut retourner home, donc en pressant ça. Alors, le mode EQ ici. Donc ça va vous donner toutes vos infos. Donc sur les options de recharge. Donc là, par exemple, vous pouvez programmer à quelle heure vous voulez que ce soit fini. Le courant maximum. Donc selon les prises, 8 ampères, 6 ampères ou maximum. Le cycle urbain électrique, donc on peut avoir accès à l'activation ou désactivation. Les consommations, juste au-dessus. Donc ça, ça va vous donner vraiment un graphique. Concrètement, c'est ce que vous avez sur l'autre écran aussi. Le flux d'énergie, donc là vous avez la voiture dessinée. Donc là on voit le câble qui est en train de recharger les batteries. Une fois que vous roulez, donc là vous avez la jauge ici qui est verte ou orange ou rouge selon le niveau de charge. Et lorsqu'on roule, donc vous avez les roues et vous allez voir la cinématique en fait qui va dire si ça va recharger la batterie ou si vous piochez dans la batterie, ou le moteur ici qui tournera pour vous dire ce qui alimente les roues. Le véhicule, hop,
Donc le véhicule ici, vous avez accès à combien vous mettez de puissance sur la pédale d'accélérateur ou de frein. Ça vous donnera le pourcentage concrètement. Le moteur, c'est pareil. Donc ça vous donne toutes les infos puissance et couple avec alors le voltage de la batterie et pression. Donc ça, c'est la pression de turbo ici. Et notice d'utilisation, ce sera si vous avez besoin d'informations. Mais là, il n'y a rien. Ensuite, donc les applications. Pour voir plusieurs applications comme le navigateur, InCar Office, alors j'ai pas essayé, smartphone, si vous cherchez un hôtel, un café, un restaurant, ça pourra vous guider lorsque vous êtes connecté avec votre téléphone. Ensuite, le store, ce sera pour les applications, et là vous avez les réglages de la voiture, donc pour tout ce qui sera option de conduite, l'assistance de maintien dans la voie, les aides au maintien dans la ligne, le volant automatique ici, le HUD, alors ça, qu'est-ce que c'est? Ok. Affichage tête haute, ok, donc ça c'est top. L'affichage tête haute aussi est très bon sur cette voiture. Le SP, etc. Les assistances, donc hop. Donc caméra, aide au stationnement. Alors la voiture peut aussi détecter toute seule des places de stationnement. Détection des panneaux, donc ça c'est une bonne chose. Lorsque vous conduisez, ça va vous mettre le régulateur automatique à la bonne vitesse tout le temps. La trajectoire, c'est pour vous garder dans les lignes. Le freinage d'urgence, c'est s'il y a des personnes devant ou derrière. L'attention assise, c'est pour vous dire de vous arrêter, prendre un petit café. Et feu de circulation automatique. Donc ça, voilà, ça vous dit si le feu est rouge, etc. Ensuite, donc, on va retourner là-haut, donc sur le véhicule. Dynamic Select. Donc là, vous pouvez choisir, hop, alors, hop, je redescends, Dynamic Select. Configuration individuelle, choisir la réponse au moteur, etc. Limite pneu du verre, réglage du siège, donc si vous voulez que le siège avance ou recule lorsque vous montez, l'ajustement des ceintures, donc ça c'est lorsque vous mettez votre ceinture, ça va tirer un peu sur la ceinture pour vous serrer bien comme il faut. L'éclairage, donc ça c'est ce qu'on a vu tout à l'heure qui est aussi dans confort, après on a les tempos, éclairage d'extérieur lorsque vous arrivez, etc. Donc sous les rétros et à l'avant, vous réglez ça. Et voilà, zone environnementale, etc. Et ensuite, le système, là, vous pouvez choisir donc les designs, etc. Donc, on a vraiment plein de choix. Et cette voiture est personnalisable vraiment à l'infini. On peut choisir la luminosité ici, etc. Alors, sur la radio, par exemple, la radio, donc on a possibilité d'avoir du DAB ou autre. Et là, on est sur une version où on a le Burmester avec des haut-parleurs un peu partout dans l'habitacle. Et le son est vraiment très très bon et vous pouvez personnaliser ici plus de basses, les aigus, les graves, vraiment en quelque chose d'assez rapide ou les profils sonores. Si vous voulez le son pur ou surround, le son surround ça fait vraiment une expérience 3D un petit peu comme au cinéma. Le général, donc ça c'est réglages généraux, bon bah voilà ce que vous avez ici. Retour, donc hop, donc là vous avez aux stations de radio, donc comme je vous disais, pour changer les stations de radio, soit vous êtes sur l'option ici. Vous changez, hop, vous remontez, vous changez avec ça. Deuxième option, vous changez comme ça. Alors ça, la cinématique est vraiment très très sympa. Ou sinon, vous changez en faisant ça et ça défile les radios de gauche à droite. Donc pour la navigation, on va aller dans navigation, on va ajouter une destination. Donc là, vous avez plusieurs choix. Soit vous lui parlez. Soit vous tapez la destination ainsi, soit vous avez ça ici. Et là, vous allez écrire sur le pad ici en faisant des dessins avec votre doigt. Et par exemple, je vais écrire comme ça. Hop. Et là, j'ai écrit Paris. Bon, Parvis, ça ne marche pas forcément super, super bien. Mais je peux recommencer donc. Hop. R majuscule, I point suscrit, S majuscule. Voilà, alors hop, je vais recommencer dès le début, mais... T majuscule, H majuscule. Comme on peut le voir, c'est pas forcément hyper, hyper bien. Donc je préférais toujours lui parler et dire, hey Mercedes. Oui, s'il vous plaît. Je veux aller à la Tour Eiffel. L'itinéraire vers la destination Tour Eiffel, 5 avenue Anatole France, 7e arrondissement, Paris est en train d'être calculé. Et voilà,
Donc ça fonctionne beaucoup mieux et c'est beaucoup plus rapide. Vous pouvez également, si vous souhaitez, changer la luminosité dans l'habitacle, dire « Hey Mercedes !» Je vous écoute. Mets la lumière bleue dans tout l'habitacle. Ok, je change la couleur. Et voilà, on est passé sur du bleu partout pour les aérateurs jusqu'aux pédales. Et si je veux tout éteindre, hey Mercedes. Oui, s'il vous plaît. Éteins l'éclairage d'ambiance. D'accord, j'éteins l'éclairage d'ambiance. Et là, vous vous retrouvez avec une voiture qui ne fait plus ambiance boîte de nuit et vraiment quelque chose de normal. On a bien sûr accès également à Google Maps via Android Auto. Donc là, vous avez vos notifications et là, vous pouvez lui parler ou rechercher via Google Maps une adresse et qui fonctionnera parfaitement. Les indications ici, ça s'affichera aussi au tableau de bord et un peu plus haut. Donc là, le véhicule n'est pas démarré car il est en charge, mais vous l'aurez aussi dans la vision tête haute. Ensuite, par rapport aux commandes au volant. Donc ici, vous pouvez voir ce qu'on a. Donc ça, c'était de quoi s'occuper des écrans derrière. Et ensuite, donc, on a tout ce qui est ici régulateur de vitesse, limiteur de vitesse et cette touche ici qui va vous permettre de régler également d'autres informations ici, par exemple sur la navigation, l'assistance ou autre. Et ça rechangera encore les informations que vous pouvez avoir. Donc hop, je retourne là. Par exemple, je veux l'option navigation. Et là, je vais avoir la navigation ici qui est reprise via le Google Maps. Donc, ou sinon, la navigation via le GPS du véhicule. Après, je peux avoir toutes les infos sur le trajet. Donc, avec plein d'informations différentes. Les radios, les médias, etc. Et là, je peux avoir le design et affichage. Donc, je peux passer en sportif. Le sportif. Voilà ce que ça donne. Alors, c'est pas forcément hyper sportif de cette façon, mais je peux encore repersonnaliser. Donc, par exemple, ce sera plus sportif avec la vitesse de ce côté-là et de ce côté-là. Le contour. Et là, ça donne vraiment plus un look d'écran de AMG GT. Alors, donc ça, c'est le sportif. Il y a le classique que j'aime bien, voilà, qui est simple, qui est bleu. Donc, c'est ce que je vous avais montré au début, donc avec les personnalisations de cette façon. On a également la possibilité de s'en mettre un épuré. Alors, le épuré est vraiment très épuré. Voilà, c'est vraiment le strict minimum. Voilà pour ce qui est de ce côté gauche et le côté droit. Donc, on a dit ici que ça donnait accès à l'écran donc, qui était de l'autre côté. Et donc, ici, on a le volume. On règle de cette façon. De quoi répondre au téléphone. Là, c'est la touche favori qu'on peut régler. Et là, c'est pour lui parler donc vers le haut ou vers le bas de cette façon. Du côté gauche, j'ai oublié de vous dire. Donc, on a deux positions. Soit un petit cran ainsi et ça donnera de quoi monter en 1 km/h par 1 km/h. Ou sinon, le deuxième cran, 1, 2, qui vous permettra de monter de 10 km/h en 10 km/h. Ici, vous le verrez sur l'affichage tête haute également. Et voilà sinon à quoi ressemble ce beau volant. A savoir que l'écran derrière le volant vous donnera les indications de recharge, par exemple la puissance délivrée par la borne, le pourcentage de la batterie et à quelle heure la batterie sera pleine, ainsi que les informations générales, hein, donc la température, l'heure, etc. Alors pour vous donner d'autres informations, donc pour tout ce qui est clim, etc., c'est ici. Donc j'appuie sur menu. Et ça me donnera les informations donc, de tout ce qui est climatisation ici. Donc on a plusieurs choix. Donc off, donc cela on la réactive. Et ensuite, donc on a soit en dégivrage ici, soit on peut l'avoir ici, donc avec tous les modes qui sont à cet endroit-là. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on peut parler aussi à la voiture. Par exemple, hey Mercedes, j'ai froid. Je vous écoute. Ok. J'augmente la température côté conducteur à 21 degrés. Donc là, on peut voir que la température côté conducteur est passée à 21 degrés. Il y a ici une option pré-climatisation. Donc ça, c'est si vous voulez le matin, par exemple, vous lever et arriver
que la voiture soit déjà chauffée si la voiture dort dehors ou sur une borne de recharge comme ici par exemple. Donc, vous pouvez choisir en unique, donc une seule fois, ou par exemple que tous les matins la voiture de la semaine soit préchauffée en ayant par exemple la recharge sur une borne, ce qui évitera de consommer beaucoup plus et perdre de l'énergie avant de partir. Alors, maintenant qu'on est de nuit, une autre petite chose très sympathique, lorsque vous montez la température ou descendez, donc par exemple là je vais descendre, hop, ça passe au bleu pour dire que c'est du froid et ça marche des deux côtés. Donc hop, du bleu, et si je monte, ça va se mettre en rouge et ça le fait donc aux deux extrémités de ce côté-là. Donc hop, je monte et ça vous dit que vous augmentez la température ou que vous la baissez, et c'est pareil donc de ce côté, si je monte, hop, donc c'est rouge ici et ici, et ça repassera sur sa couleur d'origine une fois que vous avez bien vu. Donc ça, c'est un beau petit plus très très sympa, et pour les aérateurs, donc on les tourne de cette façon là pour les ouvrir ou les fermer, donc tous se règlent de cette façon. Ce que l'on aura aussi, c'est grâce à ce bouton dynamique, ce sont les modes de conduite qui vont s'afficher ici. Donc lorsque je change, donc on a le individuel, sport, confort, électrique, batterie level et éco. Donc concrètement, individuel, vous choisissez ici le moteur, la direction et le SP. Le mode sport, là, c'est lui qui choisit, donc ce sera tout au max avec une direction un peu plus renforcée. Le confort, donc ce sera le mode le plus confortable possible. Le mode électrique, donc là on est en charge, c'est pas dispo, mais ce sera en full électrique le maximum du temps. Batterie level, ce sera pour conserver le maximum de batterie pour une fois arrivé à destination. Et le mode éco, ce sera le mode qui fera économiser la puissance, que ce soit en carburant ou en électrique. Alors j'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle aurait été informative pour vous. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à vous abonner à la chaîne. N'hésitez pas à me mettre un petit commentaire. Si vous avez des questions, je ferai mon maximum avec mes compétences pour vous répondre. Et je vous dis à bientôt pour plein de nouvelles aventures et plein de nouveaux essais. Ciao !